Kimia yankolo Yesu Kristo zala na moko na moko. Amen. Seigneur Jésus Christ soit le partage de tout un chacun de nous. Et l'autre zali le 27 septembre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 27 septembre 2021. Et par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas reçu ces moments par nos propres efforts. Nous disons à tout moment que lorsque nous voyons le jour, c'est la grâce du Seigneur. Et si nous nous levons comme ça, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ yemoko. Et le véritable enseignant dans cette alliance, c'est Jésus-Christ lui-même. Yango to pesaka tango nyonso lokumu epai na Nzambe parce que ye nde azali eyano na mitungisi na biso nyonso. C'est pourquoi nous rendons toujours gloire à Jésus-Christ parce que c'est lui la solution à tous nos problèmes. Donc tango tozo bikela liloba Nzambe. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous croyons que c'est la grâce du Seigneur. Et nous savons que nous verrons le Seigneur parce que nous sommes avec lui. Et surtout qu'azote est mis sur la parole. Et surtout qu'il nous prêche sa parole. Et de grâce en tout temps nous les remercions, que toute la gloire lui soit rendue. Nous prenons notre texte d'Apocalypse 6, le verset 2. Le verset 1 à 2. Torobaki nzamba sala biso ngolu na mawana ye ke aussi sa première solelo. Nous avions dit que le Seigneur nous fasse grâce par sa miséricorde de terminer le premier saut aujourd'hui. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Nazalaki na kotala tango mwana pata fongolaki moko na bilembo. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Bena yokaki moko ya j'ai regardé Nazaki Kotala et voici Paris un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fit donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Akedaki molongi paye alonga. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Et tozotambola pona kolinga confirmer pe kotalisa na ba témoignage. Nous marchons pour confirmer et montrer par des témoignages. Il partit en vainqueur pour vaincre. Akendaki molongi po alonga. Yangonde to bandaki nango déjà le dimanche dans lobby eleki. C'est avec ça que nous avions débuté hier dimanche. Nous voulons vraiment que Hollande na bokebi makasi. Et nous voulons que tu suives avec beaucoup d'attention. Makomami oyo ya Nzambe. Ces écritures de Dieu que nous lisons. Le livre Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. Une promesse de Seigneur à l'obéine avec ses troisième et Apocalypse 1. A une promesse faite dans Apocalypse 1er, le verset 3. Tout en est en combo dans Jésus Christ. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et c'est mon amoto yo manko azali na kota tapé na baïke yo bazali koyoka. Et qui garde les choses qui ont été écrites. Car le temps est proche. D'abord cet apocalypse. Donc la personne qui entend le parole de ce livre d'Apocalypse. Promesse et missier aza heureux. La personne lui dit, la promesse lui dit qu'il est une personne heureuse. Et lorsqu'il écoute cette parole, qu'il soit convaincu qu'il va vivre aussi le bonheur qui est dedans.
Il y a des choses que l'ennemi n'aime pas qu'il soit prêché. Donc c'est comme la révélation de la vision d'Apocalypse ici. Considérons ma case et l'Ocolosia. Il faut vraiment considérer ces livres d'Apocalypse. On a zoomé dans ta zone négligée, ça n'a pas si ma case. Lorsque je vois quelqu'un négliger cet enseignement, cela fait très mal. Considérez à moi. Il faut vraiment considérer ces livres. Parce que Nzamba pesi yango pambate. Parce que le Seigneur ne l'a pas donné en vain. Ekotoka yo na nzela na yo mobimba. Cela va t'édifier dans toute ta marche. Ezotalisa yo vraiment ndenge ennemi a se déguisaka. Azozo lo lenge neti moto na lumière, nzoka ndaza moto na molili. Donc ce livre démontre comment l'ennemi se déguise en un homme de lumière alors qu'il est un homme de ténèbres. C'est à vous de comprendre en gros. Lorsque tu comprends cela, et qu'on facilite autant pour la malade, cela va bien, va te faciliter la marche. Ma doctrine nyonso eteyaka bongola motema di melankolo. Toutes les doctrines prêchent, réponds-toi, crois au Seigneur. Même ceux qui ont bandiga ko tambola ou kuteni bat basangani quelque part, okoyoka soko fandi bien okomona kaka dimela nzambe. Exact. Même si tu commences à te promener pour vérifier, tu vas remarquer qu'on prêche aussi crois au Seigneur. Na écriture ezaka na ba choses faciles. Dans les écritures, il y a des choses qui sont faciles. Ezabe na ba choses eza difficiles. Il y a aussi des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est comme Daniel. C'est comme le prophète Daniel. Azabaki na esprit à pour résoudre des questions difficiles. Et comment minengwa? Il avait l'esprit supérieur de résoudre les questions difficiles. C'est dans Daniel 5. Et c'est dans Daniel chapitre 5. Donc il y a la supériorité dans des choses. Ezali na ki mukolo likolo koyeba makambo ya likolo. Alors si vous avez grâce, si tu reçois la grâce, yambango bien. Il faut bien la recevoir. Dana tina makasi na zozo ngelango. C'est très important et je le reprends. Que vraiment tu as grâce. Si vraiment tu as reçu la grâce, considérer. Il faut vraiment la considérer. Et ça n'a pas lecture, mais soit à offrir un dada pour salir jeune même à 40 jours et qu'on fasse comme elle est. Il y a d'autres lectures dans la Bible, même si tu jeûnes pendant 40 jours, elles ne te seront jamais dévoilées. Je te dis vrai. Là, je te dis la vérité. Faut qu'ils en abattent au basalaya. Parce qu'il y a des ministres aussi qui ont fait des telles choses. Salut, une semaine, les hommes, il faut que les une semaine, les jeunes, Seigneur, ouvre-moi les écritures. Zamba kota lisaye ke na sali bengolo na bandekono mususu kutana na ba. Le Seigneur lui dira que je fais grâce à d'autres frères, va les rencontrer. C'est comme ça, Zamba sala. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et c'est pourquoi, comme on a que tant que vous comprenez grâce n'est pas travaillé, ou qu'on méprise ta grâce mon côté. Lorsque tu vas comprendre comment les grâces travaillent, tu ne vas mépriser aucune d'elles. Yango komona ke ba personne oyoyo baza adulte. Les personnes qui sont adultes. Ndenge Hébreux 5 le dit. Comme nous le dit Hébreux chapitre 5. Ba bengami po bazwa des choses difficiles. C'est écrit comment dans Hébreux 5. Ils sont appelés à recevoir des choses difficiles de la Bible. Maintenant, il ne faut pas toujours reculer. Lorsqu'on veut t'élever, toi, tu ne fais que reculer. Luka okola. Cherche à croître dans les choses de Dieu. Omoni poto poto yo balisaka mwana za soki na 2 ans, 3 ans. Vous voyez la bouillie qu'on donne aux enfants. C'est normal. C'est normal. Ce qui m'a donné un peu de temps, 5 ans, 6 ans, vous continuez à faire des potopotes, vous n'avez pas de déclarer. Si cet enfant-là totalise 5 ans, 6 ans, et tu continues à lui donner la bouillie, et il va déclarer. Il peut souffrir de la maladie qu'on appelle beriberi. Le binoir, c'est un peu de yabanamike. Discernement des choses des petits enfants. A commis 10 ans, kaka potopote. Maintenant, il atteint 10 ans, seulement la bouillie. A commis 20 ans, kaka potopote. A 20 ans, toujours la bouillie.
Je ne sais pas si tu comprends ce que nous disons. Yo kanzi ke muta 20 ans ako vivre na kolia kaka potopoto neti mwana muke. Tu penses qu'un homme de 20 ans va prendre toujours la bouille comme un petit enfant? C'est ça, spirituellement aussi c'est ça. Ya kopende sala makana makambo ya molimo ya nzambe. Donc tant que la parole ezo pesama, lorsque la parole est enseignée, ezo kolisa yo. Et cela te fait croître. Ezo bakisela yo. Niveau. La parole t'augmente le niveau de spiritualité. Et c'est toi qui dois suivre le niveau que la parole te donne. Une bénédiction pour nayo. Et ce sera une bénédiction pour toi. Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est que par la grâce de Dieu, n'a exhorté pour nous comprendre quand même pourquoi toujours enseigner. J'ai exhorté ainsi afin que tu comprennes pourquoi nous enseignons ces livres. On a écouté un toiseau le bambou. Connaissance Nénin. J'ai rencontré des gens dire c'est quoi la connaissance. On a répondu à apôtre à mon côté à l'obandé moi dans la Bible. Kaka va ministre et va tabola dans la balabala. Moi j'ai leur toujours répondu que aucun apôtre n'a dit cette phrase dans la Bible. Aucun. C'est les ministres de la rue d'aujourd'hui. Aucun apôtre a méprisé la connaissance. Aucun apôtre n'avait méprisé la connaissance. Esprit à papotre, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces choses. Moulimo abatoma et zalaki kolingate ke bandeko batika la naboinga. Et puis, na kata papotre, comme on a ke bazaki na nature ya ko louer ma grâce. Et parmi les apôtres, ils avaient la nature de louer les grâces. Sokozu 2 Pierre, chapitre 3e. Si vous prenez 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 14, c'est dans le verset 16. Le verset 14 au verset 16. Pierre a loué le texte oyoyo ya Paul. Pierre louait les lettres de Paul. Dans le bien tout cas, la lettre naé, il y a des choses difficiles parfois à comprendre. Nakati ya mikanda neza makabwa makasi ya kososola. Bato baza mal à fermer, bazo tordre ba sens. Pe bato bafanda malamu te bazo bebi salolenge nango. Me yoka nenga lobi. Maintenant écoute comment il dit. Soki batordre sens à écriture ezali po muta kende na gêne. Donc s'il tordre le sens de l'écriture, c'est pour leur propre ruine. C'est comme ça nenga Bible lobi. Et c'est comme ça. Mais okomona mutu azo mépriser connaissance. Mais vous allez voir quelqu'un en train de mépriser la connaissance. Or, soko mépriser connaissance. Alors, si tu méprises la connaissance, moté à mabé, lorsque tu vas mal enseigner, yo d'abord moté ote imabé, soki ose repentir te, okomona nzambe te. Et toi, le prédicateur qui a mal enseigné, tu ne verras pas le Seigneur. Bandimio, bandimilité, awaneza mabé, bakomona pe nzambe te. Et les fidèles aussi qui ont cru à cet enseignement ne verront non plus le Seigneur. Na imité soko zomona sans mon amour. Je ne sais pas si tu ne vois pas combien cela est terrifiant. Vous allez voir d'autres prédicateurs avec le Paris de foot. Non, en cinglé. En cinglé. Au Paris de foot. Au Paris de foot. Ils se rencontrent avec les frères aussi là-bas. Paris de foot. Donc, n'a valé la parole. Et il n'a même pas la valeur de la parole. Et il n'y en a pas, je vous dis. Oh, Bible, bien racheter les temps car les jours sont mauvais. Boye bakosa le la okazu epe sa menibino mikoloza mabe. Bajé à bazar, zambe à tindi bisoto sala. C'est interdit. Le Seigneur ne nous a pas envoyé à pratiquer les jeux d'hasard. Ce n'est pas la parole de Dieu, le jeu des hasards. Mais au lieu de m'entendre tant à la Bible, non? Vous voulez que tu prennes le temps à beaucoup lire la Bible? En discussion avec l'équipe. Il est dans des discussions des clubs de football. C'est textuellement dans la discussion c'est semblable aux discussions de musiciens païens. Parce que Bawana pe baza ba idolâtre. Parce que ces joueurs-là aussi de football sont des grands idolâtres. Ba homosexuels vraiment. Ba tu ba sangana ka mibali na mibali. Ils ont l'air nature. Ils ont le lenge na bango ya kopika.
Mais que Dieu a réveillé conscience na yo comprendre pourquoi on enseigne. Mais que le Seigneur réveille ta conscience pour comprendre le but de l'enseignement. C'est très important. Que Dieu bénisse. Amen. Tous autres ça sur Akei azali molongi makei pepo alonga. Nous parlons de il partit en vainqueur pour vaincre. Donc Aza d'abord étant molongi makei aussi pour alonga. Donc d'abord il est vainqueur et il partit pour vaincre. Yango fallait tout expliquer yango. C'est pourquoi il fallait que nous puissions l'expliquer. Parce que awande bajoviste bakoya l'écriture on a pas na kobimisa que le vainqueur c'est Christ et Jésus. Parce que c'est ici que sont tombés les témoins de Jéhovah pour dire que ce vainqueur c'est Jésus Christ. Jésus a vainqueur, mais a vainqueur il y a verset où était Apocalypse 6 verset 2. Il est vrai que Jésus est le grand vainqueur, mais il n'est pas le grand vainqueur selon cette écriture d'Apocalypse 6. Yango moni to bandaki déjà ko tambola petit à petit. C'est pourquoi nous marchions déjà petit à petit. Katia koloba na biso dans notre exposé le dimanche passé totalisaki Luc chapitre 17 na verset 26. Nous avions montré Luc le chapitre 17 le verset 26. Le dit que ce qui arriva du temps de Noé oyo ekomaka na tango na Noa arrivera de même au temps du fils de l'homme ekokomaka pe na mikolo ya mwana moto etindaki na définir fils de l'homme isa nini. Cela m'avait poussé à les définir c'est qui le fils de l'homme. Tozoaki Jean chapitre 5 na verset 27. Nous avions pris Jean chapitre 5 le verset 27. L'écriture est Zorobaboye. L'écriture nous dit ceci. Jean 5 au verset 27. Jean 5 le verset 27. Tangaki totanga mona kombona Jésus Christ. Amen. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Apesiem pifo ya kosambisa po ete azali mwana moto. Totalisaki que fils de l'homme elingo loba oyo azosambisa. Nous avions montré que le fils de l'homme c'est le juge. La parole juge. Liloba esambisaka. Nde totalisaki que na kati église. Et nous avions montré que dans l'église de Dieu. Jugement ezali. Il y a le jugement. Jugement wana eza la parole des eaux jugé biso pour ebongisa biso. Ce jugement là c'est que la parole nous juge pour nous rendre meilleurs. Topesaki 1 Corinthiens 11 verset 32. Nous avions donné 1 Corinthiens 11 le verset 32. Place wana Paul a confirmé que ceux qui t'osa jugé les lots. À cet endroit là Paul confirme que si nous sommes jugés aujourd'hui, eza potoza la condamnété avec les morts. C'est pour que nous ne soyons pas condamnés ensemble avec le monde. Et c'est ce que l'écriture de Dieu nous dit. Et c'est ce que nous disent les écritures de Dieu. Dans 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Oui, 1 Corinthiens 11 plutôt, dans verset 32. 1 Corinthiens 11 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 32. C'est l'écriture tout en aqui aussi dimanche. C'est l'écriture que nous avions lu aussi le dimanche passé. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. L'écriture est allée ici pourquoi tu as jugé aujourd'hui. Cette écriture montre le pourquoi de notre jugement aujourd'hui dans le monde. Et ça pour ton temps pour condamner le monde. C'est pour que lorsque le Seigneur viendra condamner le monde, nous ne soyons pas participants. Et qui fait ce jugement? Dans l'église. Dans l'église du Seigneur. C'est le fils de l'homme. Tous au monde en Apocalypse 1, azotambola au milieu de cette chandelier. Et nous les voyons dans Apocalypse 1 marcher au milieu de cette chandelier d'or. Yé azotambola wana na kata ba chandelier. Et lui qui marche au milieu de sept chandeliers. Sont causés verset 19e à 20e, il y a Apocalypse chapitre 1er. Si vous prenez le verset 19 et 20 d'Apocalypse chapitre 1er, nous les lisons. Apocalypse chapitre 1er. Verset 13e. Le verset 13.
Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, Aza au milieu y a sept chandeliers. Il est au milieu de sept chandeliers d'or. Et celui total il est verset 21. Et si nous regardons le verset 20, Apocalypse 1. Toujours d'Apocalypse 1. Les mystères de cette étoile que tu as vu. Libomba mi ya mizoto samboyo. Dans ma main droite. Na loboko nangamu. Et les sept chandeliers d'or. Baby peleli muinda ya wolo sambo. Les sept étoiles sont les anges de cette église. Minzoto sambo ezali banje sambo ya biklezi ya sambo. Tokolobela kaba sept anges wana ezaka kaye moko nzambe na sept manifestations na ye. Nous parlerons de ces sept anges comme lui-même le Seigneur dans ses manifestations. Parce que dans cette alliance, oui, l'envoyé du Père, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Motindami atata ezamwa na mobali Jésus Christ. Aloba na écriture ya Jean 20 verset 21 tanga c'est quoi qui? Il avait dit dans l'écriture de Jean 20 21 lorsqu'il était ressuscité. Comme le Père m'a envoyé. Lokola tata tindinga. L'envoyé zandei. Donc l'envoyé du Père c'est lui-même Jésus. Hein? Moi aussi je vous envoie. Ngape na tindi bino ebele. Biso toza batinda mi ya motinda mi moko. Nous nous sommes les envoyés au pluriel d'un seul envoyé. Motinda mi moko wana yende ange na église. Ce seul envoyé là, c'est lui l'ange dans l'église. Parce que ce qu'on na Malachi 3 verset 1er. Parce que si tu lis dans Malachi 3 le verset chapitre. Yende azali messager alliance. Yende mon memisango ya boyokani. Kobanda ba Pierre. Depuis le Pierre les apôtres jusqu'aujourd'hui. Ce qui Jésus a été dit, qu'il les a dit pour continuer. Si Jésus ne revient pas et que le monde continue toujours. L'Église est maintenant sur terre. Et que l'Église est toujours sur la terre. Ils avaient un messager manquant de l'alliance. Il y aura toujours un seul messager de cette alliance. C'est Christ et Jésus. Et Christ au Jésus est manquant. Que Dieu bénisse. Amen. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Baby peleli minda sambo nebi klesia sambo. Donc Tomoni ke nakata ba chandelier eza fils de l'homme azotambola. Et nous avions vu que au milieu des chandeliers c'était le fils de l'homme qui marchait. Or totangaki na Jean 5 verset 27, fils d'homme c'est pour juger. Alors nous avions lu Jean 5 27, le fils de l'homme c'est pour juger. Et nous avions aussi 1 Corinthiens 11, verset 32. Et nous avions pris aussi 1 Corinthiens 11, le verset 32. Que les jugements, ils ont seulement dans l'église. Et ça, c'est l'église. Les apôtres ont condamné avec le monde. C'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est une grâce. Et comme on a passé, mais ils ont une grâce. C'est une grâce de Dieu. Tu peux en souffrir, mais c'est une grâce. Et nous avons pris aussi 1 Pierre 4, verset 17. Et nous avions pris aussi 1 Pierre 4, le verset 17. Oyo, Pierre a témoigné. Pierre est en train de témoigner. Tout en guiant bon à combo na Jésus Christ. Nous le lisons au nom de Jésus Christ. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. En faisant ce qui est bien. Ma texte Dieu est soulevé qui est mon image. Pourquoi? Pourquoi j'avais soulevé tous ces textes le dimanche? Pour nous dire que tant il y a église et tant
temps ya fils de l'homme. Pour montrer que le temps de l'église, c'est aussi le temps du fils de l'homme. Parce que fils de l'homme azalaka aussi juge. Parce que le fils de l'homme est aussi le juge. Azo juge aussi l'église. Il juge aussi l'église. Alors na baki saki eloko moko oyo kolo ye moko alobi na livre wana ya Luc 17 verset 26. J'avais ajouté aussi quelque chose que le Seigneur lui-même avait dit dans Luc 17. Alors baki oyo kozana na au jour du fils de l'homme, la chose qui sera au jour du fils de l'homme, c'était celle qui était arrivée du temps de Noé. Alors nous avions vu du temps de Noé. Il y avait des géants. Et Zala qui n'a pas d'amibali mbinga. Mais ce qui est total écriture, n'est que Zali dans Genèse 6. Mais si nous regardons, consultons l'écriture dans Genèse 6. Ba géant wana babimi nakati ya likambo babenga kabosangani ya ba fils de Dieu na ba fille des hommes. Ces géants là provenaient de l'accouplement de fils de Dieu et de filles des hommes. Donc oyo ya bonzambe na oyeza ya bomoto. Donc ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. De yangonde epoti lolenge wana ya ba et lancé. Et c'est ce qui avait produit des géants sur la terre. Mais c'est une abomination. Esaïe, mais pas. Verset 4e, il y a Genèse 6. Le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces zéros qui furent famés dans l'Antiquité. Parce que le Seigneur dit que tant à eux, ils ont le temps. Et le Seigneur dit que son temps à lui sera comme le temps de Noé. Est-ce que les colobaguettes ont le bateau, parce que Milaï, colécabambinga, son aota? Est-ce que cela veut dire qu'en ce temps, nous serons encore à chercher des géants comme le temps de Noé? Il y a un bon appétit qui va témoignage encore. C'est pourquoi j'avais donné encore d'autres témoignages. Israël n'est pas côte à la terre. Pour que Israël puisse posséder la terre. Dans mon zambatinda qui 12 espions. Dans Zéla et Moïse, dans Josué 13. Lorsque le Seigneur. Nombre 13. Le 12 espion dans Nombre 13. Et que tant Bazongaki. Et à leur retour. 10 va décourager qui peuple. Les 10 parmi les 12 avaient découragé le peuple. Dans 4 ans, découragé le peuple, c'est au temps qui verset 32e. Et dans leur rapport, si nous lisons le verset 32. Il y a Nombre 13. Nombre chapitre 13. L'écriture et le Bible. L'écriture nous dit ceci. Nabana verset 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Et car il est plus fort que nous. Mais plus fort que Bango, Josué longa qui Bango, na Josué 11 verset 21 à 22, tu peux cette écriture. Mais les plus forts que eux, Josué les avait vaincus. Nous avions donné cette écriture. Ma fils d'Anak. C'était le Zanakim. Et bah plus fort que Bango, Caleb a bengana Bango na Josué 15 verset 14 na 15. Et les plus forts que eux. Caleb les avait encore chassés dans les livres de Josué. Donc, Zamba a exhorté Bango que confiance na bino zalande et la kaya Zambe me makasi na bino te. Le Seigneur leur exhortait que votre confiance doit être dans ses promesses et non dans leur propre force. Et dans le verset 32e, il y a Nombre 13. Le verset 32. Et des prières d'Israël. Bango batani sa kinenge makambo ezala ki liboso bana Israël. Dans le verset 32e. Les pays qu'ils avaient explorés, ils dirent,
Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. De la race des géants. La race des géants est dans Genèse 6. La race des géants est dans Genèse 6. Amen. Nous tirons à nos yeux et au lieu. Comme des souterrains. Bisoto salaki na miso na biso pe na miso na bango lokola mabanki. Effectivement, pour na kolonga mboka, il faut kwesa ba géant. Effectivement, pour posséder le pays, tu dois renverser les géants. Et totalisaki que ces géants là bazalaki 3. Et nous avions montré que ces géants étaient au nombre de 3. Église peut pouvoir vaincre, il faut vaincre 3 géants. Et l'église aussi, pour vaincre dans sa marche, elle doit vaincre 3 géants. Et ça va fausse doctrine, et ça pour dire ça, église. Et ce sont les 3 fausses doctrines qui combattent l'église. Donc, Bazolo Bela, dans Apocalypse 2, na 3. Les fausses doctrines dont on parle dans Apocalypse 2 et 3. Doctrine des Nicolaïtes. L'idée yaba Nicolaïtes. Doctrine yaba Balaam. La doctrine ya Jézabel. Trois doctrines wana ndezo combattre l'église, ce sont des géants. Et ce sont ces 3 enseignements qui combattent l'église et qui sont comme des géants. Mais l'église il faut vaincre pour akendeli nettoie. Mais l'église doit les vaincre pour être enlevée aujourd'hui. Seigneur, une doctrine ya Jézabel. Prenez par exemple la doctrine de Jézabel. Jézabel a salaka par tous les moyens Israël a bossa na Nzambe. Et Jézabel fait par tous les moyens qu'Israël puisse oublier le nom de l'Éternel. Nzambe et komami na Jean chapitre 1er. Il est écrit dans Jean chapitre 1er au sujet de Dieu. Au commencement était la parole. Na ebandela ezalaki nde liloba. Et la parole était Dieu. Liloba ezalaki na Nzambe. Et la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu c'est la parole. Maintenant rôle à Jézabel est allé au bossa na Nzambe. Maintenant le rôle de Jézabel est que tu oublies le nom de l'Éternel. Donc enseignement à ceux qui pensent enseignement. Donc Jézabel ne tient aucun cas, aucun compte. C'est ça l'esprit à Jézabel. Démolis-moi Jézabel. Ça combat l'Église sérieusement. Et pour Isaka Benza Ecclesiastique. Jézabel tanga wuti na Sidon parce que c'est sidonienne. Lorsque Israélite. Jézabel provenait de Sidon à l'étranger. À côté na Israël directement na palais royal. Elle était directement entrée en Israël par la tête, le sommet au palais royal. Babala ene na roi Akab. C'était le roi Akab qui l'avait épousé. Ba roi Akab lelo pe bazalaka bati. Aujourd'hui aussi dans l'église il y a des rois Akab et des ministres de la parole. L'esprit à Jézabel est kenda kanam direct. L'esprit de Jézabel se dirige directement vers les ministres. Si cet esprit-là possède les ministres négligent directement la connaissance. Les versets, ce n'est pas important. Suivez attentivement. C'est ça l'esprit de Jézabel. Il combat le palais royal. C'est ça l'esprit de Jézabel qui possède le palais royal. Dans où Élie a sali exploit. Lorsque Élie a fait un exploit. L'olenge ba omaki ba faux prophète Yabal. La manière dont on avait décapité les faux prophètes de Baal. Naya Astarté. Et les prophètes d'Astarté. Akab est venu donner la bonne nouvelle à Jézabel. Jézabel. Il dit à Jézabel. Alobi en tout cas. Non. En tout cas aujourd'hui. Eli a fait espoir. Eli a sali qu'à moi. Yaminen. Et donc, témoignage, il y a une grâce. Ils ont ça là, Jézabel, mon thème à ma paix. Donc, le témoignage d'une grâce ou d'un exploit fait très mal à Jézabel. Alors, ce qui m'ont il y a Élisée Tikali, il y a Élie Tikali Lelo qui a confité. Que le Dieu me traite avec rigueur si la tête d'Élie le Tishibite n'est tombée aujourd'hui. Donc Jézabel n'aime pas les grâces. Jézabel a linga kabangolu yanzambe. C'est ça l'esprit. Nemo limouana.
Vous allez trouver les gens qui ont un niveau très quelque bas. Quelque part ou bien dans une ville mokoboye. Quelque part ou dans une ville. Mais bas oboye ko yamba ba grâce. Mais ils refusent d'accueillir les grâces de Dieu. Jézabel. Et ça pour lui, moi si Jézabel. À l'assemblée des saints. Ça peut être aussi une assemblée des saints. Mais dominé par Jézabel. Mais les ministres possédés par l'esprit de Jézabel. Parce que Jézabel refuse les grâces. Jézabel a boya kabangolu yanzambe. Ce sont ces trois géants. Balaam passe en allongé na yateyaki makamene na nombre 25. Et Balaam aussi a sa manière d'enseigner sa doctrine. Sogozu nombre 31 verset 16. Moïse a zo confirmé makambo ezali na écriture ya nombre 20. Si vous prenez Nombre 31, le verset 16, Moïse confirme l'événement qui s'était passé dans Nombre 25. Le langue Israël a se vautré dans les péchés. Comment Israël était entré dans la boue du péché? Dans Nombre 25. Dans Nombre 25. Ezala qui conseille à Balaam. Ezala qui toli oyo Balaam a pesa qui basi à Moab. Ah, pesa qui basi à Moab na ba Madianite. Et les Madianites. Là. Moïse là zo bango mena na nombre 31 verset 16. Là c'est Moïse qui les révèle dans nombre 31 le verset 16. Donc à cela qui par tous les moyens sangisa sangisa ezala. Il avait fait par tous les moyens qu'il puisse y avoir des mélanges sangisa. Et loko nzambe na ya nzambe te mesala eni. Donc la chose de Dieu et celle qui n'est pas de Dieu soit mélangée. C'est ça vent ya Balaam. Ndewana mo pepe chemin ya Balaam balaka qui est la gloire. Et dans les chemins de Balaam, Balak l'avait promis la gloire. Donc eza muto alingi lokumu koleka Nzambe. Donc un ministre qui aime la gloire plus que Dieu lui-même. Mais aza muti oyalala akaka na mbeto moko kaka soki a combien de mètres. Mais c'est une personne qui dort dans sur un lit et mais qui veut prendre la place de Dieu? Donc le lingue va considérer la manière dont on considère Azam, Azam, va considérer. Il a aussi besoin qu'on puisse le considérer de cette manière là. Voilà ma Balaam. Il était emporté par le chemin de l'amour de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Quelques mots. Là, je le dis seulement en quelques mots. Pour nakotari ça, trois fausses doctrines où ils ont combattre l'Église. Vous parlez aujourd'hui. Trois fausses doctrines où ils ont bondi l'Église, yanelo. Et Nicolaïsme, ezali l'esprit yakoluka batu baza la zélé pour yo et non pour la parole. Et l'esprit de Nicolaïte se cherchait à ce que les gens soient zélés pour toi et non pour la parole de Dieu. Donc mon frère est zélé pour l'écriture. Donc si un frère est zélé pour l'écriture, a commis un problème na batei. Donc il a un problème avec le ministre. Mais soka zao yo azo tombo la motei ou l'équipe. Mais s'il n'est là que pour aduler le ministre, tu es ou l'équipe. Tu le surpasses. N'y en est pas au considéré. Ah, c'est ces frères là qu'on considère. Ce sont des esprits où ils ont aussi dans l'église, Missus. Et c'est l'esprit aussi qui anime d'autres églises du monde. Et cet esprit-là est allé s'arrêter conquérir bateau par des biens matériels. Et cet esprit-là parle aussi du fait qu'il gagne des gens par des choses terrestres. Donc, on a le bien encore en quelques mots les trois géants qui combattent l'Église. Je n'ai parlé de cela qu'en quelques mots, les trois géants qui combattent l'Église. Il y a un autre temps qui a parlé, c'est 2, n'Apocalypse 3. C'est pourquoi si tu lis Apocalypse 2 et 3, il y a un monde des adversités. Il y a beaucoup de ça, Bonguna. Où ils ont bondi l'église. Bonguna. Maintenant, l'église, où ils ont maillé, où ils ont brillant. Maintenant, l'église qui est intelligente et prudente. Bateo baza maillé. Les ministres qui sont intelligents. Et il faut pas s'opposer à trois esprits. Ouais. Il faut qu'ils savent s'opposer à ces trois esprits qui combattent. Afin que le peuple baza la yanzambe pour bader tolama. Afin que le peuple soit tout entier à Dieu pour l'enlèvement. Le peuple baza la béni par la parole. Que le peuple soit béni par la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je marche dans cet enseignement pour montrer, bien-aimé, même pour Israël à côté territoire, même pour qu'Israël entre dans les territoires, il y avait des géants. Et Zala qui n'a pas de bibale.
CGA soko tangi et lobili muso ayant ezana Esaïe 2. CGA leur autre langage c'est dans Esaïe 2. Bazolo belasi Zambe na jour de l'Éternel akoya kokwesa batou. On parle de ce que le Seigneur au jour de l'Éternel viendra renverser les tours élevées. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait toute cette marche? D'abord. C'est pour te montrer d'abord, bien-aimé. Que nakatia babikolo d'abord boye ba nation. Donc parmi les nations de la terre. Ezalaka kana nation yaza plus élevée que les autres. Il y a toujours une nation plus élevée que les autres nations. Monde totalise kibino. Et c'est ce que nous avions montré autrefois. C'est comme l'Égypte natanaye. Loko l'Égypte natangonaye. Après ezalaki. Assyrie. Après Zène, le royaume d'Assyrie. Nasimanaye Ezalaki Babylone. Après la Syrie, c'était Babylone. Yango Moni Suki avant d'entendre Esaïe chapitre 2e. Avant que nous ne lisions Esaïe chapitre 2. Toujours remarqué prophétie pour la Babylone. Nous remarquons une prophétie sur Babylone. Na Esaïe 14, verset 12e. Dans Esaïe 14, le verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Il faut y que dragon a koukana qui na bête ou a dominé la terre. Il faut savoir que le dragon était semblable à la bête qui dominait la terre. Ce dragon là c'est le serpent. Et c'est Dagonawana de Nyoka. Et la puissante nation aussi a dominé la terre, serpent. Et la puissante nation qui domine la terre, c'est aussi le serpent. Dans un autre témoignage, tant que Perse a dominé. Nous prenons d'abord un témoignage lorsque dominait l'empire Médo-Perse. Avant qu'il y ait toujours des idées, tout à la tour. Déjà ici, dans Esaïe 14, ton monnaie vainqueur des nations, c'est les malins, c'est les diables. Déjà ici, dans Esaïe 14, les vainqueurs des nations, c'est les diables. Mais ce que tangi awa, bape si angona maboko ya Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et si vous le lisez, dans un autre endroit, on a donné le nation entre le maître et le Mukaniza. Toujours dans Esaïe 14, verset 4. Esaïe 14, le verset 4. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Maintenant, roi de Babylone, c'était tout un roi. Mais royauté vraiment ya solo ezekine na maboko à Satan. Mais la vraie royauté était entre la main de Satan. Et Nebuchadnezzar azalaka neti représentant ya pouvoir wana na terre. Et le roi Nebuchadnezzar n'était que qu'un représentant de ce pouvoir satanique sur la terre. Dozunda ki Satan ou Babylone est tombée. Nous prenons un exemple lorsque Babylone fut tombée. Médo-Perse est venu. Et Bazotali sana Daniel chapitre 10e verset 13e. Et on nous montre dans Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel 10 au verset 13. Daniel chapitre 10, le verset 13. L'écriture est Zorobaboye. L'écriture nous dit ceci. Ange t'envoyé pour apporter à Daniel message. Lorsque l'ange a venu apporter le message à Daniel. Natangi verset 12 et 13. Le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Daniel, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et d'humilier devant ton Dieu, là, nous sommes au verset 12e à Daniel 10. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, la verset 13e. Les chefs du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, lorsque l'ange vient, pour y accomplir ça.
Daniel réponse. Pour apporter la réponse à Daniel. Akunana roi de Perse. Kuna. Il avait croisé dans les airs le roi de Perse. Mais le roi de Perse, c'est qui mais sur la terre aussi, il y avait le roi de Perse. Satan. Ce roi de Perse dont l'ange parlait, c'était Satan lui-même. Mais en ce temps-là, c'était le royaume Perse qui dominait la terre. C'est excellent. Et ça dit le lengue manco. Tangu, Babylone a zo dominé. Lorsque Babylone domine la terre, ba présenta qui est na Jérémie 51 verset 34. Jérémie 51 34 l'avait présenté comme un dragon. Lokola dagona. Mazana ki roi na mabele. Il était un roi sur. Mazana lokola dragon. Mais il était comme le dragon lui-même. Sokozui Jérémie 46. Si tu prends Jérémie 46, na verset 20 na verset 22e. Verset 20 jusqu'au verset 22e. Bah, présenté comme un serpent. On a présenté ce roi-là comme un serpent. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Totangiango aussi. Nyonso nazotalisanim. Tout cela, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que puissante nation, ezali bah, nation oyoyo, ezali qui comparable vraiment à malin, diable. Donc les puissantes nations de la terre étaient comparables à Satan lui-même. Donc un serpent. Donc au serpent ancien. Et bazo benga autorité wana na prophétie aussi comme montagne. Et on appelle cette autorité ou domination comme la montagne. Comme une tour. Loko la tour. Que Zambé a kokiti sa tour en alliance. Que le Seigneur viendra abaisser dans la suite des temps. Kokiti sa monde na sou. Mais le Seigneur va abaisser ces tours-là à la, dans la suite des temps. Mais nous avons pu s'en aller au texte qui va faciliter la compréhension. Je donne d'abord les textes qui peuvent faciliter ta compréhension. Oui, Coco, permettre que au temps de la malade, quand même, la compréhension ou la parole. Qui peuvent permettre que tu puisses bien marcher dans la compréhension. Aujourd'hui, Jérémie 46, par la grâce de Dieu. Jérémie chapitre 46. À partir du verset 20. Le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 46 à partir du verset 20. Malobel d'abord Égypte. On a d'abord parlé de l'Égypte. Le lengue Égypte a causé la humilié. Comment est-ce que l'Égypte sera humiliée? Et que Zamba kotinda une nation ya ko attaquée. Et que le Seigneur, comment le Seigneur verra une nation pour l'attaquer? Mais le bien au verset 22e. Mais il dit au verset 22. Nation ya ko attaquée. Mais la nation qui viendra l'attaquer. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Mongongo na ezali koyoka malokola mongongo anyoka. Et nation yango sokotali na verset 26e roi yango. Et si tu lis cette nation au verset 26, je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Roi de Babylone, de Babylone, verset 22e. C'est le roi de Babylone qui est appelé au verset 22. Il y a Jérémie 46. Jérémie 46. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Yangonde nakata kotambola nangai. C'est pourquoi dans ma marche, nalingi na confirmé boye. J'aimerais confirmer ceci. Que puissante nation. Que la puissante nation. Oyazo domine la terre. Qui domine la terre? Yende azali comme une tour par rapport à Esaïe 2e. C'est elle qui est comme une tour par rapport à Esaïe chapitre 2. Totangi yango. Nous lisons par ça. La grâce de Dieu. Amen. À partir du verset 12e. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban. Haut et élevé. Et contre tous les chênes de Bazan.
Contre toutes les autres montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées. Donc le Seigneur a fait une promesse. Le Seigneur a fait une promesse. Akoya kotele melabilo konu seza si haut élevé. Il viendra s'opposer à tout ce qui est élevé. Akokwe isayango. Le Seigneur viendra les humilier, les abattre. Or, haut esa élevé, cela veut dire esa comme une montagne, comme un roi. Or, ce qui est élevé, c'est comme une montagne, comme un roi. Et tous vous remarquez. Et nous remarquons. Na texte oyo totanga ki nezayi 14. Par rapport au texte que nous avions lu dans Isaïe 14. Na c'est 12e. Au verset 12. Babengi est vainqueur des nations. On l'a appelé vainqueur des nations. Donc, l'ennemi, Monguna, Alongi Babikolo. Il a vaincu les nations. Bikolo comme poussière, selon Esaïe 40, verset 15. Les nations qui sont comparables à la poussière, selon Esaïe. Parce que la poussière, Esaïe, comme la nourriture du serpent. Oui, de Poutoulou, Esaïe, le col à Bilé, Yanyoka. Maintenant, âgé 2. Maintenant, âgé chapitre 2. Na verset 22. Au verset 22. Et puis, si promesse que Zambé a koya koukouéissa. Le trône Oeza au-dessus et pas trône Moussous. A donné la promesse que le Seigneur viendra renverser un trône qui est au-dessus des autres trônes. Na elembo Esaïe 2. Et dans les signes d'Esaïe 2. Zamba ya kokoesa, tour Oeza élevé, n'a pas tour Moussous. Le Seigneur viendra renverser la tour élevée et les autres tours. Parce que prophète Nyonso alobaki selon grâce nae. Parce que chaque prophète avait prophétisé selon sa grâce. Maintenant, âgé 2. Maintenant, âgé 2. Âgé a bengiango na terme ya trône. Âgé l'a appelé dans un autre langage le trône. Verset 22e. Le verset 22. Parce que bazana trône za bena couronne. Parce que celui qui est sur le trône a aussi une couronne. Et Aza aussi dominé comme vainqueur. Et il domine aussi comme les vainqueurs des nations. Verset 22e. Le verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Agé 2, verset 22. Agé chapitre 2, le verset 22. Je renverserai le trône. Des royaumes. Na koko isa kwende moko ya babikolo. Donc, ba royaume ezali. Donc, il y a plusieurs royaumes. Mais ça na trône moko ezali kolo ba royaume nyonso. Mais il y a un seul trône au-dessus de tous ces royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Na kobebi sa makasi ya babikolo ya babokonza babikolo. Je renverserai les chars. Et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. L'épée par l'un par l'épée de l'autre. Ceci se fera à l'Armageddon. Mais la chose que je tire ici, prophétie endémique ezana trône ezali kolo ya ba royaume mususu. La prophétie confirme qu'il y a un trône au-dessus de tout le royaume. Donc trône moko ezali kolo ya ba roi. Donc un seul trône mais au-dessus du roi. Mais to komona ngone na Apocalypse 17. Mais nous allons le voir dans Apocalypse 17. Dans verset 18e. Au verset 18. Trône au-dessus des royaumes. Gwende likolo ya babokonza. Apocalypse 17, verset 18e. Ah, bazolo bela sur la prostituée. Ici, on parle sur la prostituée. Moi, Sindumba. Babylone la grande. Babylone, mon aîné. Vatican. Vatican de Rome. Ça c'est les gasso les vous êtes chrétien na lobaka kimia. Pour na ebike zamba. Zamba go soutenir nga. Je parle avec tranquillité parce que je sais que le Seigneur va me soutenir. Oyo tango moko na te na sisi côté na télévision. Un jour j'avais terminé ma prédication à la télé. Ndeko nanga moko sango donc
Un de mes frères catholiques m'a appelé pour me dire, toi, il ne reste peu que tu meurs. Toi, tu joues avec nous les catholiques. Moi, je l'ai dit. Les propriétaires du souffle, c'est Dieu lui-même. S'il me pousse à prêcher Vatican, c'est cette femme, je vais prêcher cela. C'est l'écriture de Dieu. Le Seigneur a émissé qui? Le Seigneur a émissé. Nous avait dit, tout ce qui t'a dit là en cachette, il faut le crier sur le toit. Ce n'est pas que tu dis toujours ce que tu as fait. Ce n'est pas que tu dis toujours ce que tu as fait. Ce qu'il a donné, il faut le dire plus fort. Le Seigneur des Seigneurs. Ça, ce sont les ordres du Seigneur lui-même. Et puis, il a émis Jean. Et puis, il a dit à Jean, ne scelle pas les paroles de cette prophétie. Que toutes les nations le sachent. Apocalypse 17, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La femme que tu as vue, moi, si oyo yo moni, c'est la grande ville. Et Zali et Kumba monene. D'abord, il y a d'abord une ville, d'abord boyer. D'abord, c'est une ville comme ça de la terre. Rome. Rome. Vous êtes là, madame? Je suis attentivement. Rome. Vraiment, Rome. C'est Vatican, il y a. Là où il y a Vatican. Oyo prophétie, oyo. Cette prophétie, bien-aimée. Et tiama avant catholique et banda. Oui. Prophétie. Cette prophétie était donnée avant que l'église catholique ne débute. Seulement la manière dont le Seigneur avait classé les choses. Et l'indique à bon. Donc la chose s'est accomplie de cette manière-là. Avant catholique. Ces choses étaient écrites avant que catholique n'arrive. Catholique est à peu près dans le concile de Nicée, tant qu'on va bander dans 325. Le catholique est venu à peu près à 325 au concile de Nicée. Et on est à quand on souffre, il y a pas histoire. Là, ce sont les choses de l'histoire. Mais Simba Awa, le Saint-Esprit a béni cette femme, c'était une grande ville d'abord. Moli, mon sang, je béni moi sur une gumba monène. Mais Balobi, qui a la royauté? Oyo, Ezali na Bokondi. De ce cas-là, na Bokondi, donc c'est un vainqueur. Donc si cette ville a la royauté, donc c'est un vainqueur. Azana na Bokondi. Sur les rois de la terre. Donc cette ville a la royauté sur le roi de la terre. Et ce qu'on a dit dans le verset 3e. Le verset 3. La grande prostituée. Balobi, cette femme, elle est ivre du sang des saints. Moi, si on a l'angoi qui m'a dit là, bah, sans tout. Donc, Azako Boma, vraiment, Bato Bazan a bonne parole. Donc cette femme-là tuait vraiment les vrais chrétiens qui avaient la bonne parole. Donc, si tu lis les histoires du temps passé, Esali, ces choses existent. Donc, on appelait les croisades des chrétiens. Et lorsqu'on prêchait l'achat de la sanctification, donc, forfait, il y a un mois. Le forfait mégabyte de mois. On te vend aussi la papoté à côté que là yo parfois un mois salano li soume ko sale le côté. Et la papoté peut te vendre la sanctification d'un mois même quand tu pêches là, cela ne va pas entacher ta foi. Et ça l'aime. Toko ka mon côté. On peut pas fermer la bouche quand même. Parce que ce sont des choses abominables. Oui, ça ni somo beba. Et juste à vivre par la foi. Maintenant, on monte cette femme. Maintenant, vous voyez cette femme bien aimée. Azana pain. Azana vigno. Azomelisa yango mabele nyonso maintenant. Et elle enivre toute la terre. Donc, ce qu'on monte, musulman. Si tu vois par exemple un islam. Dans l'islam. Catholique. Donc, il est catholique. Tu vois un homme de science catholique. Donc il est catholique. Vous voyez vraiment un homme qui n'aime pas la prière, il n'aime pas Dieu, athée. Catholique. Il est athée catholique. Et ça, écriture. C'est l'écriture de Dieu. Écriture est le bien.
Verset 2. Le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Balobi, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Maria médiatrice. Joseph Sambera Ponabis. Joseph prie pour. Babylon, ce sont des blasphèmes, enseignement. Ces choses-là sont des blasphèmes. Et en cette tête d'icône, cette femme était vêtue de pourpre. Or, pourpre, telle est sa royauté. Or, les vêtements de pourpre représentent la royauté dans la Bible. Au monitango, ba soldat, ba linga, ba lo ba sali, roi. Voyez, à Jésus, roi. Voyez, lorsque le soldat voulait dire à Jésus, salut, roi des Juifs, on l'avait d'abord revêtu la pourpre. Après, on a bêté Jésus, salut. Et puis, on l'a salué. Teni pourpre, la Bible, telle, ça, yaba, roi. Le pourpre représente l'habit de roi. Mais moi, si on a la pourpre. Mais cette femme l'a été revêtue de pourpre. Il y a un gros verset 18. C'est pourquoi, si tu regardes au verset 18, au comment on a que ma bengaza, roi. Des rois. C'est pourquoi on a appelé cette femme roi de rois. Na l'obité que cette femme reine des rois. Je n'ai pas dit que cette femme là mon compte à moi c'est un roi de rois. Ah, pas que ton voix diable. Parce qu'on voit les diables en elle. Babi, cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5 et le bi. Si son front était écrit un nom. Likolo putu na ye kombo moko ekomama. Un mystère. Où ezalaki libomba. Loko les un mystère mutu nyoso ta komona. Comme c'est un mystère, ce n'est pas tout qui va voir. Place c'est là où nous avons des problèmes avec. Et ça polélété pour na mutu nyoso amona. Cela n'est pas ouvert à tout le monde. Non. Mais c'est un mystère. Kasi ezali de libomba mi. Kaka Jean va koyeb se vient et voir. C'est seulement à Jean qu'on dira de venir et de voir. Et Jean place son azanette église. Et Jean à cet endroit elle est comme l'église du Seigneur. Nous voyons très bien ces mystères. Babylone est allé sur les limbes à confusion. Et Babylone représente la confusion. Mobulu na kati na makamba. Donc mobulu bulu yeke. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. Maman ya basi ndumba. Et des abominations de la terre. Donc si tu vois une abomination quelque part sur la terre, Azana mamana. Il faut cette abomination là sa mère. Ça c'est la Bible. La Bible à tous autant. Balobi et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Mais na moni moi si wana ko langwa makila ba santu. Donc azobo ma ba santu facilement. Donc elle tue facilement les saints. Donc on trouve le sang des saints seulement en cette femme. Et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, aux hommes, on a levé Kaza. Azana masanga na ye étant une femme, c'est une doctrine. Vous voyez, le fait que cette femme a son vin, donc c'est toute une doctrine.
Le vin là, c'est l'enseignement. Et le vin de cette femme, c'est tout un enseignement. Il se fait tous à la vin à Jésus-Christ, mais à la parole et la vérité. Nous aussi, l'Église, nous avons le vin de Jésus qui est la parole. Il y a un homme qui a une promesse, il y a l'œuvre de la croix, tant que nous avons la Genèse 3:15. C'est pourquoi je t'avais dit que la promesse de l'œuvre de la croix, lorsqu'on le dit dans Genèse 3:15, que la postérité écrasera la tête du serpent. Donc si elle écrase la tête du serpent, donc le sang doit jaillir de la tête. Le sang de la tête du serpent, c'est ça le vin de la prostituée. Mais serpent qui soit talent. Le serpent va mordre les talons. Il y a postérité. Et la postérité de la femme. Talons, il y a postérité. Les talons de la postérité. Total Isaka, talons comme la prééminence qui motomolo. Nous faisons ça. Les talons, c'est la prééminence. C'est comme Jacob. C'est comme Jacob. Et c'est quelqu'un qui beaucoup nous tout ezongé panel ou pas Esaou. Il fallait que les droits de naissance soient transférés d'Esaou vers lui. Dans Genèse 25. Dans Genèse 25. Tango Rebecca zobota bango. Lorsque Rebecca les enfants. Tango mukolo abimi Esaou. Lorsque Esaou sortait les premiers. Yé Jacob tango zobima asimba ki talon ya mukolo. Et Jacob en sortant saisit les talons de l'aîné. Ezekiel l'emboké est né à perdre qui mukolo et voyait pas na yeleki. C'était le signe pour montrer que l'aîné perdra les droits de naissance pour être transféré au plus jeune. Donc les talons est alisaka oazako premier azana prééminence qui mukolo. Les talons représentent celui qui est le premier né, qui a la prééminence, le droit de naissance. Que Dieu bénisse. Amen. Alors yangonde total ici boyé. C'est pourquoi montrons ceci. L'esprit où est un cavalier, mon limo où est un matipunda, c'est diable, esprit antichrist. Ezali Satan a mon limo antichrist. Où est un télémel à la parole, qui s'oppose à la parole de la vie. Yangwe yaka toujours avant que le Seigneur aya. Et cet esprit ne vient qu'avant que ne vienne le Seigneur. Yango 1 Jean 2, verset 18, Melobi. C'est pourquoi 1 Jean 2, le verset 18 dit ceci. Vous avez appris. Ils en arrivaient à un antichrist. Antichrist. Mais il y a plusieurs antichrists. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Petits enfants, c'est la dernière ère. Bana Mike. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ezali na akwelezo lobela na moko. Donc il y a la prophétie qui parle d'un antéchrist. Oya zoya poitele la Christ qui vient pour s'opposer au Christ Jésus. Mais baza pebele na katia moko wana. Aussi il y a aussi plusieurs dans ce. Yewana aza comme roi Nicolas ba royaume. Et c'est lui là l'antéchrist qui est le roi au-dessus de tout le royaume. Et lembona yende ba benge déjà ça vainqueur. Et on l'a déjà appelé comme vainqueur des nations. Tout le monde qui est déjà dans Ésaïe 14, verset 12, toi le vainqueur des nations. Et nous l'avions déjà vu dans Ésaïe 14, le verset 12, yo molo qui habite. Et Nathalie Sakin, Ésaïe 40, verset 15, ma nation, basa comme la poussière. Et j'avais montré dans Ésaïe que les nations aussi sont comme de la poussière. Donc l'ennemi. Munguna, musala oyazali kosala na kati ya la femme prostituée. Dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans la femme prostituée. Et la fausse église catholique. Qui est la fausse église catholique? Effectivement, tomoni bas makila ya basantu na maboko na. Effectivement, nous avions vu les sangs des saints entre ses mains. Ça c'est l'écriture de Dieu. Ubio linga bi, ubio linga ne batu. Ezali komia nzambe ulingi batoto biblia. Bible toko lingi vina yoko leka nzambe uza dingi tiepo na bokonja nzambe. La Bible dit si tu aimes ta vie plus que Dieu, tu n'es pas digne du royaume. Eso
indeko na yo, papa na yo, mama na yo, kole kalilo zambe, oza din te pona bokonzi ya zambe. Et si tu aimes les membres de ta famille plus que Dieu, tu n'es pas digne pour le royaume. Il faut na yo comprendre que la parole de Dieu est absolue. Eza likolo na nyonso. Il faut comprendre que la parole de Dieu est absolue au-dessus de tout. Ce qui parole est ebisi yo ke ba témoin de Jésus. Cette femme, si la parole te dit que le sang des témoins de Jésus est entre les mains de cette femme, c'est que, c'est-à-dire, bazo boma bango na cette femme. C'est-à-dire, cette femme tue les témoins de Jésus. On appelle ça qui? Matthieu chapitre 10, verset 28. C'est pourquoi j'avais donné Matthieu chapitre 10 au verset 28. Makambo toroko tango bien à deuxième sous. Ces choses, nous allons bien l'exploiter au deuxième saut. Parce que portion en partie en vainqueur pour vaincre, tout le monde en vraiment de bien au deuxième saut. Parce que cette portion de partir en vainqueur pour vaincre est bien détaillée au deuxième saut. Nazui Natangi, Matthieu 10, verset 28. J'ai lu Matthieu chapitre 10, le verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, le Seigneur est en train de montrer très bien. Il y a ceux-là qui peuvent tuer nos corps, nous tuer physiquement. Yango, oyaza élevé na kati na bango nyonso de la prostituée. Celui qui est élevé parmi les tous, c'est la grande prostituée. Et c'est là-bas que l'esprit antichrist agit. Donc, yangonde bazolo baki azokende en vainqueur. C'est pourquoi on dit qu'il part en vainqueur. Aza d'abord molongi, molongi yaba nation. Donc, il est d'abord vainqueur des nations. Un frère a comme président de la République. Un frère ne peut jamais devenir président de la République. Ne te distrais pas, bien-aimé. À ta députation, ils ont un frère. Même la députation nationale provinciale ne sont pas pour les frères. Naboyité, Moutoussoko, Sari politique, Oye, Kosambela, ce n'est pas mauvais, mais ils ont l'enseignement parfait de ton père. Je ne refuse pas que tu étais en politique, tu viens prier, mais nous donnons l'enseignement parfait. Oui, ils ont parfait. Ce qui est parfait, c'est ce que nous enseignons. Et c'est pourquoi tu as payé cette écriture. C'est pourquoi nous avions donné cette écriture. Que la femme n'apocalypse toute. Moi si n'apocalypse toute. Aza combattu par les dragons, mais les dragons a 7 têtes et 10 cornes. Abundisami na dagona oyazali na mitu sambope masekezo. 7 et 10 cornes, ce sont des rois de la terre. Ba mitu pe masekewana ezali ba konza mabele. Ça c'est la Bible. Le Seigneur avait dit que son royaume n'est pas de ce monde. C'est ça la réponse après ça qui Pilate. Et c'est ça la réponse qu'il avait donnée à Pilate. Alors, ce qui royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, le père est celui qui attinda. Père attinda ba légion. J'aurais prié mon père ange. Envoie des légions d'anges. Voyez qu'au défaut. Pour venir me défendre entre tes mains. Mais le corps à tous en a ma belle, sans bela pon en boca qui mieza. Mais comme nous sommes sur la terre, pris en faveur du pays en fait, sans bela pon à autorité, batambo samusala malam. Pris pour les autorités en fait qu'ils puissent bien gouverner le pays. Ceux qui batambo si biso malam et vous allez la paix bien. S'ils nous dirigent en toute sagesse, cela sera bon. Mais yo tendo bengami pona musala wa. Mais ce n'est pas toi qui es appelé là-bas à conduire dans l'état. Toyoka ba tebele ba lobi ke bango ba okena parlement ba ko changer makambo ba frère. Il y
y a d'autres frères qui nous avaient dit qu'ils iront au Parlement pour changer les choses. Après bané kende ko luka bango ba pesa yo conclusion ya musala basali. Après les années, on va les chercher pour qu'ils donnent les rapports de l'œuvre qu'ils ont faite là. Nous aimons la sincérité. Ils sont au lingakande bo sembo. C'est la parole. Neliloba. Et l'humilité aussi, enfin que Dieu a régné. Mais comme qui dit ça pour nous aider à conduire. Ou élever la parole. Koto molalitea. Des enfants de Dieu, c'est à cause de l'enseignement de Bagozala persécuté. Et les enfants de Dieu seront persécutés à cause de l'enseignement. Et Koko, comme Babomi frère, Nabiso Nanzoto, pour l'enseignement. Il peut arriver qu'on tue un de nos frères physiquement à cause de l'enseignement. À cause de l'enseignement. L'ikolo ya l'idée. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et c'est ce qu'avait dit Jésus-Christ. Si moi on m'a fait comme ça, alors vous. Soki ngai mokonzi na bino babenga Belzebul. Si moi votre Seigneur roi ou bien maître. Maître, on m'a appelé prince des démons. Et bongo bino. Alors vous. Ça c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Oko changer ngote. Oko bongo la ngote. C'est la quand il prêchera dans union soeza juste bato bazali injuste bagoyina yo. Quand tu prêcheras la vérité, ceux qui sont injustes devant te haïr. À cause de la vérité. L'ikolo ya bosolo. La parole de Dieu dit que Anania, Azar et Michael, ba trois compagnons de Daniel, ba foukame la statue. C'est la parole de Dieu qui avait fait que les trois amis de Daniel ne puissent pas se prosterner devant la statue. Mais créer là bango problème. Et cela leur avait créé un grand problème. C'est parce que Maïba qui s'est prosterné devant et qui écoutait. C'est parce qu'il savait pas qu'il ne pouvait pas se prosterner devant une statue. C'est ça la parole. La statue, la statue n'est pas restée seulement la statue physique. Mais faux enseignement et sa statue Yamabe. L'idée a pu Yamabe et Zalipe Kego. Mutazote ya Congo Mboka Nzambe. Un ministre qui prêche Congo, pays de Dieu. En tout cas, Congo et Zamboka on Zamba Boni. Congo, c'est le pays choisi par Dieu. Si tu lui poses pourquoi, tu ne vois pas qu'on a un scandale géologique. La Bible a dit que le pays élu par Dieu, le Seigneur va mettre des minéraux. Exode 19, c'est ça. Si vous m'obéissez, et vous observez mes commandements, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Et bokoko ma nation nangai. Bazalaka nation de Dieu par l'obéissance de la parole. On devient nation de Dieu en obéissant à la parole. C'est ça le verset. Et c'est ça le verset de la Bible. Mais au tali na ba nation nyonso tala ba nation polythéiste banzambe bele. Et vous allez voir dans toutes ces nations là on prie plusieurs dieux. Pourquoi plusieurs dieux bazanaka ta ba nation nyonso? Pourquoi plusieurs dieux parmi toutes ces nations? Les diables les a vaincus. Les alliés des diables na longa bikolo ana ya mabele na Congo. Et comme que bozwa musala il faut kota na loge. Pour avoir un emploi il faut être dans des loges maçonniques. Dans la science. Dans des sciences. Oh, francs-maçons. Francs-maçons. Oh, ceux qui. Rose-Croix. Au Soloka. Nyonsoane Zagaba, branche à Vatican. Toutes ces choses-là sont des départements des Vatican de Rome. C'est ça, c'est vrai. C'est la parole. C'est ça la parole, bien-aimé. La mère de toutes les abominations. Maman yabambe banyoso nam yamabele. Et c'est ce qu'il faut nous comprendre. Mais balongi tous les rois de la terre. Donc ils ont vaincu tout le roi de la terre. Parce que c'est la prophétie Ezalaki. Et cela s'accomplit. Et c'était la prophétie qui était et qui s'accomplit. Et tant que Jean soit qui message yo. Catholique et bandagi nan te. Et lorsque Jean avait reçu cette prophétie, l'église catholique n'avait pas encore débuté. Mamona qui en haut déjà. Mais il l'avait déjà vu de loin. Dans l'air où on a yakala, ezalaki ba nation nyon so puissante bazaro ke nekotika ba offrande na Rome. Et en ces temps-là, toutes les nations allaient offrir à Rome. Ba lengo d'or. Wolo na bango. Ba biloko trop cher. Donc
des choses précieuses. Il faut lire les histoires. La papauté était une puissance. Ce sont des choses qui sont sur la terre. Ce sont des choses qui se sont passées sur la terre et tu ne peux pas. Et quand quelqu'un témoigne la parole, va persécuter. Et lorsque quelqu'un témoigne la vérité de la parole, on les persécute. Quand ils ont persécuté mon centre. Lorsqu'elle persécute un saint, à quoi qu'il le programme à mon centre, il peut faire le programme de le tuer. La femme prostituée, cette femme prostituée, à quoi bon maïe pour déjà prophétiser le bâti que à Gozalana, Makila et ma centre. Elle va le tuer parce que la prophétie déjà avait dit qu'on a trouvé en elle les saints des saints. Y a quoi Jésus déjà le bâti? C'est pourquoi Jésus avait déjà dit. Ceux qui va persécuter yo à ou. Ceux qui va pundi sur yo toba ni au colion et kumbao. Kima. Fui. Ne dis pas que moi à cause de Jésus. Je n'ai la bombe à me tuer. On va te tuer, Jésus ne manquera pas d'autres serviteurs. C'est toi qui iras mourir avant. Il t'avait déjà dit de fuir. Élie t'a amené qui Jézabel à Canié. Lorsque Élie a vu que Jézabel faisait les programmes de Dieu, il a commencé à fuir Jézabel. Zambazo tunaye. Le Seigneur lui pose la question. Élie, Élie, okewapi. Où vas-tu, prophète? Aébis tambet. Il dit, Seigneur. En ville. Là-bas dans la ville. Jézabel a bommé presque bisogne. Jézabel a tué tout tes. Voilà son qui mais. Là il fuyait. Abinatika de Kanga. Il dit, je suis resté moi seul. Mais à sa kimi. Il fuit. Mais je suis resté moi seul. Le Seigneur Ibsegui qui a préservé qui 7000 ou va baiser Balte. Et le Seigneur lui avait dit que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi de genoux. Mais le fait qu'à qui manquait, ce n'est pas mauvais. Et le fait qu'il avait fui, ce n'est pas mauvais. Alors bien, j'ai montré mon zèle. Nathalie, c'est celle là. Mais ce que moi, il n'a pas qui manquait. Mais si je fuis. Je viens. Et Jésus a boité. Et Jésus ne l'a pas refusé. Ce qui va persécuter Awa, Kima. Ce qui va nyokolio bali kobomo Kima. Pour cavalier wana za vainqueur. Parce que ce cavalier là est un grand vainqueur. Vainqueur yanzoto. Il vint la chair. Yamoli moté. Alonga kanzoto kasimoli moté. Vous allez en malin. Vous suivez attentivement. On a prophétie déjà bâtie la guillet gaza na coupe. Parce que dans la profession, on l'a montré qu'il a les saints des saints. Voilà, il faut à la prudence. Là, il faut que tu sois prudent. Obéis l'évangile, t'aimes, t'es un évangile. Ne détruis pas l'évangile, mais prêche l'évangile. Bande konabiso ebele à cause de l'évangile, bamusus balongo bécole catholique. Beaucoup de nos frères à cause de l'évangile ont été expulsés des écoles catholiques. Bamusus balongo la bamona misala. D'autres ont été limogés de leur emploi. C'est toujours la persécution. C'est toujours la persécution. Mais il faut, dès l'enseignement. Il faut combattre la délité ensemble. Écoute comment nous dit 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. Il est vainqueur. C'est écrit dans les Écritures de Dieu. Amen. À partir du verset premier, tiens, troisième. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Maintenant, balingi batali sa doctrine à des démons. Dans le verset deuxième, le troisième maintenant. Balingi batali sa doctrine à des esprits séducteurs, puis doctrine à des démons. Si tu les vois, il faut les nommer doctrine des démons. Maintenant, on nous les explique. Prescrivant de ne pas se marier. Ba
Bato balingi basale la Nzambe. Les gens qui veulent servir le Seigneur. Baba la te. Qui ne se marient pas. Omona ango. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Place omona ango c'est que Bible benga yango doctrine de démons. L'église qui confesse c'est ça où tu l'as vu, la Bible l'appelle l'idée à Billy Momabe. Ça c'est la Bible. On est écrit parce qu'il y a un commandement qui avant la doctrine n'envoya. Donc ces écritures étaient écrites avant que ces doctrines ne viennent. Ce sont les doctrines des démons. Et ça dit ma théa, oh mili, mon ma bende théa. Bah continue encore la doctrine des démons. On continue. Bouébi bango, hein? Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Le porc est une bonne nourriture. Doctrine des démons. Une des doctrines des démons. On va commencer à interdire le porc qu'on n'en mange pas. C'est simple, on se montre un mot clé. C'est simple, tu vois cette doctrine. Ngoulou. Le porc. Nakutana na bana ya ba doctrine moko bazaka na ba Congo. J'avais croisé l'un de oui. Des gens des doctrines au bas. Bazako pekisa bango ba kolia ngoulou te selon doctrine na bango. On leur interdisait de ne pas manger le porc. Mais bango moko bazolia ngoulou na mayele. Mais même manger. Mais les enfants mangeaient les porcs dans la rue. Baluki pa baninga na bango ba laisseriez. Ils se rendent chez leurs amis, mangent les porcs sérieux. T'as voyé na banda kuna bango. Lorsqu'ils viennent chez eux à la maison, la salle est semblant. Ils font semblant. Ba découvrent qui kenza basala qui musonya malam. Ils avaient découvert que le Seigneur avait créé une belle viande. Argument na bango ezalakanini. C'est quoi leur argument? On a liquid. Dans le quid, fou de Gadara tangazaki délivré. Le fou de Gadara en étant délivré. Milim kota kina bangulu. Les esprits étaient allés là-bas entrer dans le bourseau. Ah, c'est bangulu wana bakufakati. Mais c'est pour les démons. Bakota na mai bangonios et komami boy. Et tous étaient entrés dans l'eau. Bawana bakota na mai bangonios. Ces porcs là étaient morts dans l'eau là. Pe bakusi. Et ils sont morts. Alors les autres pauvres là qui sont restés. Bango basaki concerné. Ils n'étaient pas concernés par les esprits de fou. Nous avons par qui mamoko ezana. Écriture de base, écriture de. Des arguments qui manquent des écritures de base. Ce sont des doctrines des démons. Les alim milimo mate a milimo mate. Bengaka eloko nengi Bible azo bengango. Il faut appeler la chose comme la Bible l'appelle. Yango ne balobi hein. C'est pourquoi on dit. Koyo kanzambe soni tena miso batu. Yango. Il ne faut pas avoir honte de Dieu devant les hommes. Tango zo présenté enseignement nengi zali. Nzambe c'est l'enseignement. Lorsque tu présentes l'enseignement qui est Dieu lui-même. C'est ça Dieu. Tu suis attentivement. Mais tant que vous avez présenté l'enseignement, lorsque tu ne parviens pas à présenter quelque part, Rosalie, quelque part où tu peux te dire, sache que le Seigneur viendra te demander les comptes. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a donné la vérité de la parole. Dans ta vie, il faut témoigner la vérité. Et dans ta vie, tu dois témoigner la vérité. Et loko ezaya ngote, il faut le baki oyo ezaya ngote, Bible azo ni mangote. La chose qui n'est pas conforme à la parole, tu dois dire que la Bible ne l'accepte pas. Non, oyo eza Bible ezo témoigner, je crois ça. Ce que la Bible témoigne, je le crois. Kati na koyeba ke. À cause de la vérité, vous allez persécuter. À cause de la vérité, tu seras persécuté. Et si possible, on tuera aussi quelques-uns. Jésus l'avait déjà dit. Dans Jean 16. Il y arrivera un temps où on vous tuera, croira rendre un culte agréable à Dieu. Mais je vous l'ai dit avant que ces choses n'arrivent. Parce que lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous l'avais déjà dit. Paul balingi batan très dur. Les apôtres ont passé des temps très durs. Ba passé peine à sacrifice suprême. Ils sont passés aussi au sacrifice suprême. Pierre. Le Pierre. Moto ya kufa qui vraiment qui dit à Kogisi.
Et la personne qui était mort vraiment dans toute vieillesse, c'est l'apôtre Jean. Selon les témoignages d'anciens. Selon les témoignages des anciens. Bah Jacques. Déjà. Décapité. Et même c'était au début. C'est le même esprit antichrist. C'était le même esprit de l'antichrist qui œuvrait. Cavalier. Maintenant, il faut y que Apocalypse 12. Maintenant, il faut savoir qu'Apocalypse 12. Il y a encore Apocalypse 6. C'est le même qui Apocalypse 6 que nous. Au moins Apocalypse 12. Voyez Apocalypse 12. Bâtiez-moi si à outil du colo. On a présenté la femme dans le ciel. Azana grossesse. Qui est grosse. Va présenter Satan. On a présenté aussi Satan face à elle. Azon combattre. Qui la combat. Déjà dans Apocalypse 12, va passer aux conclusions à travail. Maintenant dans Apocalypse 12, on t'a déjà donné la conclusion. À quoi dévorer moi en terre. Les dragons ne parviendront pas à dévorer le fils. Ce qui mène aux yeux dans Apocalypse 6. Maintenant si tu rentres dans Apocalypse 6, Ezali na église. Donc il y a l'église. Na quatre temps tous au moins dans Jean. Lorsque nous voyons l'apôtre Jean. Et l'ennemi c'est les cavaliers. Et l'ennemi c'est les cavaliers. Conclusion n'est qu'aucune. Jamais l'ennemi a colombé à l'église. Et la conclusion est que l'ennemi ne vaincra jamais l'église du Seigneur. Pour déjà dans un tableau, ma personne dans Apocalypse 12. Parce que nous avons déjà les tableaux décrits dans Apocalypse 12. C'est Aluka qui a dévoré Moana. Il avait cherché à dévorer le fils. Mais à quoi qui dit Moana nettoie. Mais il n'était pas parvenu jusqu'à l'enlèvement du fils. Moana Wane Zangai Nayo Tokomi na Bokoki. Et ce fils-là, c'est toi et moi parvenus à la perfection. Parce que 2 Corinthiens 3, verset 18, il me le dit. 2 Corinthiens 3, le verset 18 dit ceci. Total à Cananzela, miroir, une image. Nous tous, les visages découverts, regardons dans un miroir, une image. Tous les gens ont transformé à la même image. Mais tous les bongola, makola, disent, lilingi wane, atala, tala. Miroir, wana, ce sont les Écritures saintes. Ces miroirs-là, c'est les Écritures saintes. Image, bongo, mina, kata, Écritures saintes, c'est Jésus-Christ. Et cette image-là de la parole, c'est Jésus-Christ. Total à la parole. Lorsque nous regardons la parole, tous ont transformé en étant cette image. Et c'est ce qui est le fils là qui est enlevé, l'église parvenue à la perfection. Maintenant, si on est dans le désert, maintenant la femme qui descend pour se rendre dans le désert, ça, sous l'église elle n'est plus l'église qu'elle était auparavant. Et comme Israël, elle devient maintenant Israël. Ça va classer déjà dans Apocalypse 12. Le Seigneur l'avait déjà classé dans Apocalypse 12. Atalisi que moi si bagome maye na ma papouille en pont. Et il a montré que la femme sera portée par les ailes d'aigle. Ma papouille en pont eya katango aboti déjà. Et les ailes d'aigle viennent après qu'elle ait enfanté. Lelo tozana na zemi. Aujourd'hui nous sommes enceintes. Tango tokobota. Lorsque nous allons donc pour manifester la perfection, nous allons manifester la perfection. Moi si on a continué à comme Israël, cette femme là va continuer pour devenir Israël. Pour des ailes comme maillé, parce que ce sont les deux ailes qui vont l'amener. Tout mon qui m'a papa dans Matthieu 17. Nous avions vu ces ailes là dans Matthieu 17. Tant que Jésus Christ a été transformé dans verset 2e comme le soleil, lorsque Jésus Christ fut transfiguré comme le soleil. Ma papou et bimaki. On a vu les ailes apparaître. C'est Moïse na Eli. Et ça là qui m'a sacoli, mon sepe na Elia. Des oins. Papa kola ba, mema moi si wap. Où est-ce qu'ils avaient amené la femme? Na désert. Na lisobe. Israël tangazo en Égypte. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, Zamba lobi amema qui est na ma papou ya pom. Le Seigneur a dit qu'il avait amené dans sous les ailes d'aigle. Yo kasi ma papou en pom wezana. Vous pensez que c'était qui? Les ailes d'aigle. Aaron à Moïse. C'était Aaron et son frère Moïse. Bangonde bamemaki. C'était un d'eux qui avait amené Israël. Mais Mariam patangami comme troisième messager. Mais Mariam aussi est comptée comme troisième prophète. Selon Michée 6, verset 4. Selon Michée 6, le verset 4. Donc, bamemaka na désert, tant Isaïe na désert, aye kokutana, aye kolia mana. On l'amène dans le désert lorsque Israël vient manger la manne et la nourriture. Le lingimoko Israël.
De la même manière, Israël, on va l'amener aussi dans les déserts. Désert wana, c'est l'œuvre de la croix. Ce désert-là, c'est ça l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a dit, j'ai les mains de mon esprit entre tes mains. Binazongi si moli monanga na maboko na yo tata. Oui, tika la kiwa neza comme bois sec. Donc ce qui était resté le col à libaya boka uka zeta boka uka. Yé Christ. Lui, le Christ est Jésus à la croix. Désert wana. Ce désert là. Israël a voyé. Israël l'avait rejeté. Mais les déserts et kozongi saika kuna. Les déserts viendront les retourner seulement dans les déserts là. C'est là-bas où il y a la nourriture. Et c'est là-bas qu'il y a la nourriture. Parce qu'il y a un désert en coût à tabernacle. Parce que c'est dans les déserts que tu trouves les tabernacles. Tabernacle est conservé dans le désert. Les tabernacles seront dressés dans le désert. La manne est connaissante. C'est dans les déserts que descendra la manne. Caille est connaissante. Et va descendre la viande. Donc, des oiseaux. Tant aussi, on a même la femme dans le désert, dans Apocalypse 12. Et lorsqu'on amène aussi la femme dans les déserts, ils appuient à la nourrir. C'est pour qu'elle soit nourrie à l'aisamment. Que Dieu bénisse. Amen. Désert, on est à désert à Kalahara, c'est aussi Karate. Ce n'est pas le désert de Kalahara, mais de Sahara. Eh. Désert, on a c'est l'œuvre de croix de Christ. Et ce désert-là, c'est ça pour ça les poulous sont sous Christ. C'est un désert pour la nini parce que Maïe Bimaka et Kinda. C'était désert parce que l'esprit qui est là était parti. Israël est là, Boyango. Et aujourd'hui, Israël a rejeté l'œuvre de la croix qui était. C'est l'évangile que nous prêchons. Dès l'idée à haute aux autres. Mais, bah, les prêts. On ne les accepte pas dans le monde. Ils sont hors du camp. Ils ont dit la famine dans la ville. Si nous entrons, nous y mourrons. Dans 2 Rois chapitre 7. Et si nous nous rendons aussi chez les Syriens, ils vont nous tuer. Alors, allons seulement chez les Syriens. En se rendant chez les Syriens avec leur fatigue. Le Seigneur a précédé la foi de l'hébreu. Les Syriens ont écouté le bruit des chars et des chevaux. Les ennemis eux-mêmes ont interprété le bruit de l'hébreu. Les Israélites ont demandé l'assistance des autres armées pour nous attaquer. Fuyons! Tala, les méchants fuient sans que balandaye. Batomabe bakima ka moto talandi ya ki. Lolenge moko na vina yo. De la même manière aussi dans ta vie. Yo mi pesa ka panza. Toi donne toi seulement au Seigneur. Kolenge lo côté. Ne tremble pas. Et lo komo côté l'équipe baronne na puissance. Il n'y a rien qui soit plus puissant que la parole. S'accrocher na parole. Accroche-toi à la parole. Zamba kolengi sa banguna na yo ye moko. Le Seigneur fera trembler tes ennemis. Lui-même le Seigneur fera trembler. C'est lui-même qui répondra à la terreur. C'est lui. Lui-même. Toi prosterne-toi devant le Seigneur. Mi bomba panzambe. Mi bomba et panzambe. Cache-toi chez le Seigneur. Et c'est lui qui combattra pour ta cause. Nous t'aimons. Nous levons pour donner à Dieu notre cœur. Dis au Seigneur, fais-moi vainqueur dans tous mes combats. Seigneur de grâce. Que je puisse vivre tes exploits, ô Dieu. Nous prions le Dieu de l'exauce. Osamo batiri na solo yawe na boule moroche. Nel ne pese mesire a toi parce que Zali Zambé a grâce. Talisa et longa o pesa kingane kulusu po pesi yango l'église. Tomona yango Zambé na piano mon roi. Droite na yo puissant au Dieu. Yango et talisa mana yango Seigneur de grâce. Ta droite puissante Seigneur. Et mon isamana yango mon rocher mon appui. Mwango nyonso yamolili yango échoué. Ta présence est à la manifeste.
Ngolo pengu yana yo etarisama na yango Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazali ko singa pole na yo etarisama. Bonzambe na yo ezo esika na kati na moko na moko. Mais l'assurance na vie bana na yo zamba. Domine vie moko na moko Seigneur pour la gloire de ton nom. Grâce na yo zambe tarisama o Dieu. O délivré moko na moko na captivité l'ennemi azali ko tsera ye. Abike la bofungwami. A ton nom Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole au Pessi. Merci pour la grâce na yo. Merci pour la bolingo na yo zambe na buneyao. Kimia na yo desari nyoso pour nos rochers. Et batte la mitima na makona makona kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Kola pambo la makona makona. Le Seigneur bénisse chacun de nous.